Bonjour, alors ceci est un marronnier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marronnier dans la presse? Un marronnier, c'est un truc dont on parle à peu près une ou deux fois par an. Donc voilà, et le marronnier du jour, c'est ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Donc je crois que c'est un article de Télé Loisirs qui dit « Émilien est-il favorisé dans les 12 coups de midi ?» Bon, allez, je préfère rien dire. Donc non, voilà, donc bon, de temps en temps, la presse voilà, se dit « Ah ouais, et s'il était avantagé? » Bon, passons, c'est pas grave. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que tous les maîtres de midi sont avantagés dans les duels et aussi dans les questions. Mais bon, ça, c'est pas grave. Non, non, moi, il y a deux choses. Premièrement, si un jour je rencontre Émilien, de lui poser la question à savoir, est-ce qu'il s'est rendu compte par rapport au duel et par rapport aux questions qu'il avait, des questions faciles, même si des fois il y a des questions que nous on trouve difficiles, mais qui pour lui sont faciles. Est-ce qu'il s'en est rendu compte? S'il le savait avant d'arriver dans l'émission, etc., etc. Et puis, surtout, moi j'ai une question à poser aux candidats qui viennent dans les 12 coups de midi. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont se faire bananer? Ça, c'est le truc, parce que franchement, après, quand à la télé, tu entends les candidats dire « Ah ouais, non mais franchement, il est trop fort », bon... En plus, vous savez, y a un truc qui m'a toujours fait rire, parce que bon... Le problème, l'émission, elle est enregistrée. Si elle avait été en direct, eh bien, j'imagine toujours un mec qui passe au rouge et puis qui dit non, non, mais je vais pas prendre Émilie en duel. Non, parce qu'il a des questions de bébé. Mais ça, ils peuvent pas parce que c'est enregistré. Donc, si un jour quelqu'un le dit, eh bien voilà. Bon, allez, je vous dis à plus. J'ai plein de trucs là sur les 12 comédiens. Un peu, bye bye.